tout ça cause divorce dans mariage. Moi salue nous toutes, moi c'est Miss Pierre Jules. Ouais, communication dans une relation, c'est un point essentiel que lié, surtout dans mariage. Communication essentielle dans mariage. L'un qui pas communiquer efficacement, problème qu'on accumulé et puis conduit à divorce. Deuxième bagala c'est infidélité. C'est une principale cause côté que nous jouons divorce depuis des trahisons là-dedans. Trahison de la confiance. De faire mon confiance, mon trahison. Et de pour elle comme ça, les surmonter à divorce. Eh bien, couple yo, yo gen pile différence fondamentale. Et qui ka rend mariage nous insoutenable. Quatrième bagay qui compte cause divorce, problème financier. Problème financier ka créé un stress important dans un mariage. Et ça vient conduire un divorce. Les gen abus physique, émotionnel ou verbaux, ça ka rend mariage là difficile. Côté gogo moun tout l'ap joue, ap dou bêtise, ap sale ou de chaque vie retourner, ça ka mené à divorce. Les gens ont dépendance dans le mariage là. Ou bien comportement, ça a détruit le mariage là et mené à divorce. Manque de compromis et de flexibilité, le cas un mariage difficile. Dépression extérieure, tant que problème familial ou pression sociale qui a affecté le mariage. Coupe yo a grandi et évolué dans une direction différente. Et ça a un mariage insoutenable. Eh bien, c'est la raison ça qui compte varier de un couple à l'autre. Et souvent, c'est une combinaison de facteurs que lié. Et c'est tout facteur ça qui conduit à divorce. Conseil Miss Pierre Jules.